La Serbie et le Kosovo sont sur le point de se rencontrer à nouveau ce week-end pour discuter des derniers points concernant un éventuel accord négocié par l'Union européenne. Mon invité dans The Global Conversation, le président de la République de Serbie, Aleksandar Vučić. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Première question. Vous êtes sur le point d'ouvrir un nouveau cycle de négociations avec votre interlocuteur kosovar. Quelle est votre ligne rouge ? Je ne parle pas très souvent de ligne rouge, car quand on parle trop de ligne rouge, il n'y a pas de véritable négociation. Et l'autre partie insistera uniquement sur ces lignes rouges. Et il est important de discuter de la question correctement, ce qui veut dire essayer de trouver des solutions de compromis. L'un des points d'accord précédents, c'est l'association de municipalités serbes au Kosovo. Oui, tout à fait. C'est une demande de votre part. Mais apparemment, le gouvernement du Kosovo n'est pas prêt à la mettre en place. Ou du moins, les points de vue divergent sur la manière ou la méthode, disons. Tout l'enjeu, c'est que nous avons signé cela en 2013 et 2015, à savoir un plan de mise en œuvre, les principes, une équipe de direction et bien sûr le premier accord. Cela fait 4 accords. Nous avons déjà tout signé, et ce, avec les représentants de l'Union européenne. Et cela doit être mis en œuvre. Mais ce n'est pas l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est de faire en sorte que les Albanais et les Serbes du Kosovo, mais aussi les Albanais et les Serbes de toute la région, vivent ensemble, qu'ils aient de meilleures conditions de vie et se respectent les uns les autres. Le problème pour les Kosovars, c'est qu'ils ont peur, de leur point de vue, bien entendu, de créer les conditions pour une nouvelle forme de Republika Srpska au Kosovo. La Republika Srpska, c'est la République de Serbie en Bosnie. Ce n'est pas vrai. C'est une République serbe et non pas une République de Serbie. Mais de toute façon, on entend ce genre de platitudes tous les jours. Il y a quelque chose qui est écrit et signé et qui doit être appliqué. Sinon, le droit international n'a pas lieu d'être. Apparemment, le gouvernement kosovar actuel voudrait exercer davantage de souveraineté sur son propre territoire, sur ce qu'il considère comme son propre territoire, et qui a été reconnu par de nombreux pays. Par de nombreux pays, mais pas dans le droit international public. Mais aujourd'hui, j'insiste sur la réconciliation, la véritable réconciliation. Il s'agit de ne pas tenter constamment d'humilier l'autre, mais de trouver une solution de compromis pour les deux parties. La réconciliation passe peut-être non pas par une reconnaissance mutuelle, mais par une série de concessions mutuelles. Oui. L'association des municipalités serbes en est une qui serait en faveur de la Serbie. Et comme vous le dites, elle doit être mise en place comme cela a été conclu. La réconciliation nécessite aussi de nombreuses concessions de la part de la République de Serbie. C'est-à-dire de nombreux accords sur les timbres et scellés douaniers, les représentations, les diplômes, les documents, les reconnaissances professionnelles, les plaques d'immatriculation et tout le reste. Toute la question, c'est en particulier de comprendre où se situe le niveau d'autonomie d'une communauté serbe vivant au Kosovo. En matière d'éducation, l'éducation, le système de santé, l'aménagement du territoire, l'aménagement rural et urbain, le développement économique, tout cela a été décrit et détaillé dans les principes qui ont déjà été convenus. Seriez-vous en mesure d'établir une ligne de démarcation claire entre le concept d'autonomie et celui d'autodétermination ? Pourquoi certains donnent-ils ou acceptent-ils ce droit à l'autodétermination pour des populations et nations données et le refusent-ils à d'autres ? Et nous allons rester fermement attachés à ce sujet. Nous parlons d'un pays qui a attiré, par exemple, sur les 3 dernières années, 62% de tous les investissements directs étrangers dans la région.
Monsieur le Président, ce type de miracle économique de la Serbie s'appuie aussi, disons, sur un prix modéré du gaz qui vient de Russie. En partie, oui. Et l'Union européenne appelle la Serbie à participer aux sanctions. Concernant le prix du gaz, je crois que nous avons un bon prix et notre économie est en plein essor. L'an dernier, ces trois dernières années, en fait, nous étions l'une des cinq économies à la croissance la plus rapide à l'échelle de toute l'Europe. Parce que, comme vous l'avez dit, le prix de votre énergie est plus bas que dans les autres pays. Et ce pourrait être un problème pour vous. Ce pourrait être un problème pour vous si vous deviez participer aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Mais ce n'est pas le seul problème. Vous savez, j'ai lu et entendu des milliers de fausses déclarations accusant la Serbie de nuire à la paix et à la stabilité dans la région et de vouloir attaquer la Bosnie, Pristina ou telle ou telle. A-t-elle fait cela ? Non. Il y a eu des tensions dans le nord du Kosovo. Et ce que j'ai voulu dire aux Serbes à de nombreuses reprises, et que je répète ici, c'est que nous avons eu une relation très professionnelle, très bonne, responsable et sérieuse avec l'OTAN. Nous continuerons dans cette voie. Et j'en étais d'ailleurs très satisfait. Le président Vladimir Poutine a mêlé le sujet du Kosovo à d'autres questions, d'abord à la Crimée, puis au Donbass. Est-ce une question pour moi ou pour les dirigeants occidentaux ? Parce qu'il a trouvé un précédent. Nous, notre réaction a été différente. Juste pour que vous le sachiez, nous avons dit « Nous soutenons la Charte des Nations Unies et c'est pourquoi la Crimée et toutes les autres parties de l'Ukraine appartiennent à l'Ukraine ». C'était cela notre réponse, juste pour éclairer vos téléspectateurs. Seriez-vous prêt à faire quelques concessions à la partie kosovare en ce qui concerne l'adhésion au Conseil de l'Europe ? Ils ont déjà entamé cette procédure pour rejoindre le Conseil de l'Europe sans demander son avis à la Serbie. Ils n'ont pas besoin de la Serbie pour cela. Mais il existe une législation et ce plan proposé par les Allemands et les Français au sujet des organisations internationales. Ils ont eu ma réponse. Je l'ai donnée en face à face à messieurs Macron et Scholz. Qu'en est-il de l'ONU, des Nations Unies ? Car la Chine et la Russie ont leur mot à dire. Je crois qu'il s'agit davantage de la Serbie que de la Chine et de la Russie. J'en ai discuté avec messieurs Macron et Scholz. Et avec tous les autres. Et qu'avez-vous dit ? Nous avons discuté des lignes rouges au début de cette interview. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Thanks.